Allons-y, allons-y! Bah. Salut, Pat the Butcher, comment ça va? Température ambiante, 27 degrés Celsius, biomarqueurs nominaux. Allez, on continue cette deuxième partie. Non. De sortir, c'est Montréalais en passant. C'est le studio Typhoon Montréal qui l'a fait. Typhoon Studio Montréal. Donc là, on va aller explorer par ici un peu. On va faire le tour, on va revenir. Oh, je sais pas, je les ai toutes tuées parce que ça explose! Salut Dizzy. C'est un jeu d'exploration. Crafting aussi un peu. Mais plus. Crafting, exploration. Donc, t'es envoyé par. Quatrième plus grosse compagnie de la planète Terre qui fait des explorations intergalactiques. Ou plutôt. En tout cas, dans l'espace. Et... donc ils ont commencé un programme, est-ce qu'ils peuvent envoyer des humains juste normales sans préparation? Et donc leur mission est d'explorer, scanner les choses. Ces ossements sont plus anciens que tout ce qu'on a pu trouver sur cette planète. Bon, donc c'est très ancien. Scanner les choses et cartographier les choses. Oh, il y a quelque chose là-bas. Ah, ça. Ça, c'est pour attirer les... pour attirer les mauvais. Donner des claques au bord de la gueule, claque, tiens-toi. Ça, c'est pour attirer les animaux. Ben, je dois le garder, je n'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est dangereux, ça tue. Ah, oh, j'ai trop sauté haut. Oh. Je me dépêche parce que je veux ça, les affaires jaunes. J'en ai besoin pour changer d'arme. Du silicone. Et ça remplit. Clac, je suis rempli. Donc là, je vais pas aller en haut tout de suite. Ben, je pourrais aller en haut pour vrai. Torse dedans. On a des jeux très intéressants à essayer cette semaine. Des jeux que je suis surpris d'avoir eu. Celui-là, je savais pas si c'était 505 qui le faisait, donc je suis pas vraiment surpris parce que je reçois toujours leurs jeux maintenant. Tiens, on a monté de niveau. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh! La bonne nouvelle, c'est que grâce à ce que t'as mangé, t'es devenu beaucoup plus difficile à tuer. Et la mauvaise, c'est que t'es plus difficile à tuer parce que la plupart de tes os ont été remplacés par des tumeurs cosmiques dures comme de la roche. Mais bon, deuxième bonne nouvelle, tes partenaires potentiels aiment les tumeurs. Ben, c'est ce que j'ai entendu dire. Bonne question, on va le placer immédiatement en haut, vu qu'il n'est pas là présentement.
Oh! Putain. T'es où, toi? De bouger. Pourquoi t'es là, toi? À de bouger, tabarouette! Bon. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le placer. Bon, ça marchait 33,99. Salut, Chicky, excuse-moi. J'avais dit tantôt 32-33$. Bon, là, je vais vérifier quoi. Stock, les deux, mon gars l'a décollé, c'est moi. J'imagine que je pourrais sauter là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Tabarouette de niaiseux! Pas sûr qu'il va aller là. Ok, ça marche. Ah, il faut le... Ça marcherait, mais il me faudrait le... Le grappin. J'ai pas le grappin encore. Oh, mais... Regarde-en, toi! Comment loin tu sais, ça? Non, j'aurais pas assez... Si je saute en bas, je suis bien mort. Là, ouais. Et tabarnak, c'est haut. Bon, on ira pas là, là. Carbone! Au colis! Ah! C'est mon god. Ah, il donne du silicone aussi. J'ai besoin de silicone. Pas de silicone. C'est qu'il n'y a pas de map non plus. Ah, je suis bon, c'est beau. Attends, toi. Ouais. Bon, en fait, là, faut que je suis la flèche. Faut que je m'en vais par là. Moi, je fais pas aller par là. Les limites de tes capacités actuelles.
Mais t'inquiète, les cartographes ont trouvé le gisement d'un fluide très rare qu'on pourrait synthétiser pour en faire du carburant à propulseur autonome. Concentre tes efforts d'exploration là-dessus. Ok, maître Jedi. Et ça, c'est pas de la haut? C'est pas haut, ça. Ben non, Chris, c'est pas ta moumoune, je suis là. Qu'est-ce ça, ta barouette? Une plante carnivore charmant. Ses branches se sont entrelacées à une créature locale pour survivre. Ah, oh, j'aurais dû lui lancer dans... dans la bouche! Un agrume charnu prisait les frugivores de cette planète. Secret à proximité. C'est vraiment haut, mais... Qu'est-ce que tu fais, Chris? Ton là est secret. Bon, juste au cas où massacrer les adultes, c'était pas assez sadique.
Shit. Trop tard, j'ai tout twist. Ah mais c'était pas ça le secret. Bon, je suis à 63 mètres du qu'est-ce qu'il faut aller. 49 mètres. 27 mètres. 24 mètres. Ah, j'ai réussi à me rendre. Ok, mais si je saute là, je saute dans le vide. C'est pas là qu'il faut aller. Je passe par le chemin, champion. Bon, ici. Bien sûr, tu me fais t'attaquer dans le dos, moi, là? T'es là, toi. Ça ressemble un peu à une fourmilière avec une fumée de la place du fourmier. Ok, youpi. Ça, c'est quoi? Un affaire d'avion? On dirait qu'il est tombé de la tour voisine depuis au moins 400 ans. Une statue de ruine. Ça te finit de bouger? Sur cette planète, mais regarde ces structures-là. Scanne-en une pour voir. On dirait un genre de moyen de transport. Si tu le rallumes, on pourrait te tuer ici et créer un clone de toi dans l'un des autres que tu as déjà activé. Ah, excuse, je devrais plutôt dire téléporter. Ah, t'as une place pour téléporter? J'aurais plus besoin de... Avant d'y aller, Kindred dit que je dois te lire ton contrat de 400 pages qui dégage de toute responsabilité. Voilà, c'est fait.
Ah, c'est par là, faut que je vois. Finalement, je viens de revenir à la même place. Ça, c'est la rentrée, ça? C'est ça, je... Au bon passage, ça fait là, Garibou? Wow! Ouais. Au vrai, je pense que je vais aller au vaisseau parce que je dois aller me chercher une nouvelle arme. Hey, petit goéland, comment ça va? Ça fait longtemps. Excusez. Vu qu'on a un téléporteur aussi. Le téléporteur est à droite, je pense. Excellent! Tu peux fabriquer une amélioration, si ça te tente. Hey, regardez ça! Vos restes de viande. Vos restes de viande, de graisse et de cartilage finissent toujours aux poubelles. Quelle perte! Ou pire, dans les toilettes, dégueulasse! Grâce à Meatbody, retrouvez le sourire en réutilisant vos déchets de viande. Un chaleureux compagnon reconstitué fait par Slimo. Vous n'avez qu'à prendre vos déchets de viande, de chair pourrie et même de protéines cultivées en laboratoire, les mettre dans la machine, choisir le nombre et le type d'organe que vous souhaitez avoir, et en moins de 4 clichés, votre nouveau meilleur ami apparaîtra prêt à vous donner tout plein d'amour. Allô, maman? Meatbody, le chaleureux compagnon de jeu de Slimo. Hey. Ah, Varma. Et là, j'ai assez pour ça aussi. Amélioration terminée. Oh, il y a ça. Bon, ben, on a quand même... Ça valait la peine de venir. On a réussi... Donc c'est pour ça que je suis venu principalement ici.
température ambiante, 27 degrés Celsius, biomarqueurs nominaux. La merde. L'arme est plus forte. Un coup au lieu de deux à cette heure. Dix balles au lieu. Ça brille, mais ça pourrait être utile. Lumière. Voilà lancé. Oh, il est vide, GG à cette heure. Petit champion. Faut m'en aller à cette heure. Je pense qu'il y en a eu d'autres là. Bien sûr. De violette, on dirait un monstre, ça. Wow! Hey, on est peut-être en train d'admirer la première œuvre d'art extraterrestre jamais recensée. Ça me semble, l'accent me fait rire. Pas sûr que je vais à la bonne place, mais on va dire que oui. C'est une veine d'aluminium pur. De l'aluminium, on n'avait jamais eu.
Yes! Donc, je dois m'en aller au vaisseau. Pas certain, mon truc. Je sais pas là qu'il a sorti. Ah, c'était de la crotte. Qu'est-ce que ça donne, ça? Okay. Vacances passionnantes de la part de Extra Reality 2. Vous rêvez de pouvoir fuir le dur travail qui vous écrase tristement un peu plus chaque jour, mais vous ne trouvez même pas le temps de réfléchir à votre vie et à quel point elle est plate. Vous n'avez assez de vous sentir nul, prévisible et extrêmement ennuyeux, mais vous n'avez pas les moyens de vous amuser, ne serait-ce qu'une finalement. Je vois que t'as amélioré ton propulseur autonome. Même s'il n'est pas encore à son plein potentiel, il devrait te permettre de te rendre à des endroits qui n'étaient pas accessibles avant, avec un minimum d'émissions de polluants atmosphériques en plus. Salut, Wateré, comment ça va? Température ambiante,
abdominaux. Ah, y a une propulsion un peu plus loin. On peut pas sauter aussi haut de ça, bas. Ce qui arrivait là, mais... Oh, ça va, petit goéland? J'ai plus de graines, shit. Ça a marché! Ah, ça c'est... Ça c'est bon aussi, faut en trouver de ça, ça augmente la vie pis tout. Salut Dubsteel, Dubstee, excuse-moi, comment ça va? Tout de suite, oui, il est là. Il a sorti aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter sur ma chaîne si vous voulez. C'est le même prix. N'oubliez pas que Mixer, c'est Microsoft, donc tous les jeux sont disponibles. Il est 33,99€, donc à peu près 25€, 20€. Entre 20 et 25€, selon moi. Ouais, j'étais chanceux. Je peux quand même du mauvais sens. Donc vous voyez là, ça j'ai un nouveau, je peux sauter plus haut. On m'a donné des nouveaux objectifs. Donc ici peut-être je pourrais réussir. Peut-être il faut le grappin. Mais là, vu que j'ai mis une jump, je pense que je vais déjouer le système. Et non, calé, j'ai rien déjoué à part que je me suis excusé de m'en péter la gueule.
déchets caribou quand t'achètes pour regarder. Marche pas en tout. Fougère V, bienvenue à la tribu du caribou canadien. Mon ami, ça fait super plaisir ton follow. Oh yeah! Tabarnak, il m'a fait mal, lui! M'attendais pas à ça? Oh, lisse, toi! Trouve de la vie à cette heure. Ah, y'en a là! Je pense que je peux faire une affaire, là. Faut rien que je le fais comme du monde. Déchets caribou, quand t'achètes, regarde-moi. Hein. T'as un moyen d'aller par là? Pas vraiment. Ah! Ok, t'en veux une autre bonne nouvelle? Ces fameuses tumeurs qui ont remplacé tes os et amélioré ton endurance se sont propagées jusque dans les muscles de tes membres inférieurs. Ce qui veut dire que t'as maintenant des fesses en béton. Trippant, non? Trippant? Vous n'avez aucune idée que ça veut dire. Qui est trippant, je suis mêlé ben raide. Ah, des fruits qu'à tomber.
Erwan de Marseille, bienvenue à Erwan. Erwan de Marseille, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien. Mon ami, ça fait super plaisir ton follow. Oh yeah! Yeah. Ok, je suis revenu là. Ah, oh, pour avoir des graines d'affaires, faudrait que je m'arrête. Non plus. On saute loin, mais on ne saute pas. Chose qui brille là-dedans. Juste ça. Quel bug, la tête dans l'eau, il se peut pas le tuer. Graines à grappin, c'est ce qu'elle a dit.
dit pas où faut aller, par exemple. Non. Ben, ça me dit où aller, mais... pas capable de me retrouver. Hashtag, je pars d'où en Christ, ça, Lax? Je peux aller par là, mais je peux pas aller par là. C'est loin, 39. Je peux pas aller par là. T'es rendu, je tombe en bas. Oh.
Mange quoi? Avant de sauter, on va explorer. OK. Ah, oh, ça a enlevé les affaires que j'ai pu passer, ça a ouvert le chemin. C'est comme ça, faut faire de quoi, mais faut relancer une bibitte dans sa fucking bouche plus tard. Naïf. Ça a mis temps, bienvenue à la tribu Caribou Canadien, mon cher ami. Ça super plaisir ton follow. Oh yeah! Donc, du même coup, on a compris un peu comment faire pour enlever la plante dans l'endroit tantôt. Faut amener un oiseau proche, il va l'aspirer. La bruit de scie mécanique. Elle a pété du carbone aussi. Salut Dizzy. Ce trou inspire pas confiance. Je me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
Lâche-moi! Oh, l'hostie! Ok, dès que tu le jettes, pendant c'est fini. Contrairement aux grenades qui tiennent habituellement dans le creux de la main, cet énorme spécimen est impossible à soulever. Calé, je tape en bas. Hashtag ça a rien. Là-bas qu'il y a quelque chose? Ah, c'est par là faut que je vais, je pense. En fait, c'est là. T'as dit d'aller là-bas. En fait, j'ai passé où ça dit d'y aller. Oups. Ah, ça, c'est l'affaire à grappin. Fascinant. Je crois que les graines que tu viens de ramasser proviennent des plantes en forme de mollusques qu'on a vu tantôt. Je me demande sur quoi elles poussent. Ah, tiens! Oh, ça tire des... Salut Pascal. GG. Oh.
météore est tombé sur cette planète quelques années avant nous. Chauffe encore, hein? Bon, on peut aller par là. Hey, ça a l'air d'être par là, faut que je va. Oui! Are you licking to the game so... Are you... licking? I'm not sure about licking. Certaines créatures ne peuvent être blessées. Un propulseur autonome, c'est que tu peux l'utiliser horizontalement pour esquiver les créatures un peu trop agressives, comme celle-là, par exemple. C'est terrible de gaspiller un cerveau. Hein? Si j'étais toi, je mettrais quelque chose de solide entre moi et cette chose. Oh, il est stock là! T'es collés! Ah, y'a un collier, je l'avais pas vu! Plus de la merde! Ça dit 24 km par là, si c'est prêt. Lâche-moi! Y'a tombé en bas, je pense! Hey, allez, il est rendu là-bas! Loser. Bon, c'est ça, faut que je va! Qu'est-ce que je dois faire? The game is good right now. If you like exploration, No.
Il est là, mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, colis, il est back, lui! Aïe, aïe, colis! Je pense que je vais l'amener ici. Aïe, ma face LED. À côté. C'est chaud là. Oh la queue! Innocent! Ah ouais, va chercher ça avant qu'il te fait mal! Bon, j'ai de comprendre. Bon, ouais, pogne ça. Allez, il est collé. Yo! Je m'attendais. Vous êtes vous autres! Débris! Je suis pris moi aussi, mais c'est pas grave! Hein, toi? Ouch, calice! Plus de gun, c'ti. Bon, quand je fais ça déjà? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'énergie, ok. Il est stuck, il est stuck! Je suis stuck, moi, pareil!
Wouhou! Bye bye! Wouhou! Cool! Une fois que tu auras rapporté cet alliage au Javelin, je pourrai commencer les réparations et je débloquerai le premier ensemble d'amélioration pour ton équipement. Oh yeah! Oh, j'ai chaud. Merci, merci, Pascal. Selon moi, il faut aller par là. Faut réussir à se rendre là de nouveau, mais de la bonne façon. Ah, c'est là. Tabarnak, il m'a explosé la face. Ouais, j'ai pas. On va voir ça. J'ai déjà. On va y avoir encore. J'ai pas la les ressources suffisantes. Ça, c'est nouveau. Et on n'a pas les ressources suffisantes non plus. Salut, Maxime. Donc, pourquoi je suis ici? Même si je souhaite plus que tout de faire décoller cette navette vers la Terre pour que tu puisses retrouver tes proches, si t'en as, mais je pourrais pas le faire tant que t'auras pas trouvé une source de carburant fiable sur cette planète. Maintenant que les réparations sont en cours, il est temps de commencer l'exploration. Comme l'indique le manuel de l'employé section 23498 YA, tu dois répertorier la faune et la flore de cette planète, explorer tous ses recoins et rendre compte de son potentiel pour une éventuelle colonisation humaine. On n'est pas en mesure de dire quel genre d'obstacle tu vas rencontrer, mais plus tu fourniras de données à Kindred avec tes outils de scan, plus on sera capable de t'envoyer des schémas. Au nom de tous les employés de Kindred, biologiques et autonomes, on te souhaite bonne chance.
Les cartographes ont identifié une série de structures très inhabituelles sur cette planète. Les données qui faisaient état d'une planète orpheline étaient donc erronées. C'est une découverte qui change radicalement le cours de la mission. Merci, Maxime. Et même si tu dois continuer de répertorier tout ce qui se trouve sur la planète, Kindred te demande de porter une attention particulière à ce qui pourrait te sembler non naturel ou construit. J'ai placé une balise dans une zone qui intéresse tout particulièrement nos scientifiques. Bon! Donc là, on doit aller sur la pièce en or. On va arrêter l'enregistrement de cette deuxième partie tout de suite.